la revue Gérontologie et Société a 50 ans. L'occasion de revenir sur ses apports aux connaissances gérontologiques. Des chercheurs en parlent. C'est un des grands apports de la revue que de permettre la circulation des idées, non seulement entre scientifiques, mais aussi entre scientifiques et entre des professionnels qui développent une expertise plus au contact des différentes réalités de la vieillesse. La première valeur que je vois à cette revue, c'est l'originalité dans laquelle les sujets sont traités, très souvent avec un angle interdisciplinaire. La revue Gérontologie et Société représente plusieurs choses. C'est d'abord, je crois, un outil pédagogique important. C'est un support pour former les étudiants, les futurs professionnels du champ. Rendez-vous le 2 décembre 2022 au ministère de la Santé à Paris. Retrouvez le lien d'inscription dans la description.